suis au club de golf Beauceville pour le championnat provincial junior. Je suis en compagnie de la championne provinciale junior, Céleste Dao de Saint-Moly. Céleste, que dire de plus, hein? C'est ta 5e victoire cette saison, donc à l'Omnium junior du Québec, au championnat premier élan, à la classique optimiste, au championnat provincial amateur et là, le championnat provincial junior. Waouh! Puis en plus, aujourd'hui, donc, tu remportes le championnat justement junior, mais c'est la deuxième fois que tu remportes parce que tu avais également gagné en 2015. Félicitations. Merci beaucoup. Là, on va parler un peu de ton tournoi. Donc, Brigitte s'est construit une avance lors de la première ronde et lors de la deuxième ronde, tu as réussi à la rattraper. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a bien été lors de cette deuxième ronde qui était hier. Comparé à la première journée, je potais tellement bien. Tous mes potes rentraient. Je pense que j'ai juste 12 potes sur le front. Je voyais le trou tellement gros, tous mes potes rentraient. Puis c'est vraiment ça qui a fait la différence de la première journée. Et là, j'aimerais savoir, aujourd'hui, donc c'était la ronde finale, est-ce que tu avais une stratégie en particulier que tu as utilisée, sachant que tu avais un potentiel en fait de remporter la victoire, tu étais à un coup de Brigitte? Ouais. Bien, je me suis dit, avant ma ronde, de jouer ma game puis pas regarder celle à Brigitte, parce que durant la première ronde, quand j'ai joué avec elle, c'est ça qui m'a fait accrocher, c'est que je me mettais vraiment trop de pression, puis jouais avec sa game au lieu de jouer ma propre game, c'est là que je m'accrochais. Fait qu'aujourd'hui, je restais focus sur ma game, puis ça allait bien. Aujourd'hui, c'était tout un revirement de situation. En fait, souvent, tu rejoignais Brigitte au premier rang, et là, ensuite, tu retournais en deuxième position. Qu'est-ce qui se passait mentalement là, quand tu rejoignais Brigitte? Bien, j'étais vraiment stressée aujourd'hui. Puis quand je rejoignais Brigitte sur un trou, bien, comme on peut voir sur ma carte, l'autre trou d'après, bien, je m'accrochais parce que j'étais vraiment, vraiment stressée. Puis je regardais sa game, puis je me mettais encore trop de pression. Fait que à partir du 14, ça s'est stabilisé. Puis j'ai dit, au pire, tant pis, là, je fais le meilleur que je peux. Puis ça l'a bien été. Ouais. Ça l'a bien été. Là, j'aimerais savoir aussi, il y a 4 ans, admettons là, tu te regardes la petite fille que tu étais il y a 4 ans, comment est-ce que tu t'es améliorée pour être la golfeuse que tu es aujourd'hui qui remporte autant de titres comme ça? Il y a 4 ans, c'était mon premier provincial. Puis j'étais vraiment très petite, puis j'étais très stressée tout le temps. J'étais vraiment intimidée par les grandes joueuses plus vieilles que moi. Fait que maintenant, j'essaie de prendre ma place puis performer. Et qu'est-ce que tu dirais qu'il te faut améliorer aujourd'hui pour devenir encore meilleure que tu es déjà? Toute ma game. Toujours. Il faut tout améliorer. Toujours. Ben écoute, Céleste, bonne chance pour tes prochains tournois aux US Girls, aux Jeux du Canada et dans les championnats canadiens. On te souhaite le meilleur. Tu nous impressionnes à chaque fois. Merci. Donc, merci beaucoup.